fait plaisir, je vous garantis ça. Ça fait un moment que je le laisse, ce truc-là. Mais franchement, on va le découvrir. Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, oh, j'adore du Mazda, c'est une dinguerie. Ça fait une paire d'années que je l'ai. Ça date de 2002, mais j'ai... Wow. Pourquoi pas l'imprimer? Pourquoi pas le scanner? Ça pourrait être intéressant. Dans les années 2000, Mazda s'amusait à faire un petit guide relamping. Ouais, parce qu'il y en a certains, ils faisaient des relampings. Beaucoup de sociétés de lampes ne le faisaient pas réellement parce que justement ils s'en foutaient un peu, mais Mazda était précurseur sur ça. Donc ils avaient fait un petit guide justement sur ça. Donc, par exemple, remplacer une sodium par une iodure, une sodium par une BF, voilà, des trucs intéressants. Franchement, c'est impressionnant. Oui, on voit voir un petit peu des trucs intéressants. Les technologies des années 90 remplacées par les années 2000. Bon, on va dire maintenant ça fait 20 ans déjà. Imaginez qu'en 2000, l'année prochaine, ça va faire 20 ans le truc. C'est une dinguerie. Franchement, oui, je crois que ça date de ça à peu près. Par contre, c'est très vieux. Oui, 2002, c'est ça. Philips et François, ouais, bah, déjà c'était déjà Philips. Rue Pierre Rigaud. Ivry-sur-Seine. Bon, Ivry-sur-Seine, rue Pierre Rigaud, il n'y a plus rien. Hein, c'est rasé. Hein. Mais, on va pouvoir regarder tout ça, ça fait plaisir. Voilà, donc du coup, guide relamping 2002. Alors déjà, il y avait les premières générations de iodure à l'époque. Bon, par contre, moi, j'ai surkiffé, c'était leur système de transparence des lampes. J'ai jamais su comment ils faisaient. Donc là, bon, ah, voilà. Mazda éclairage.com, c'était tout nouveau à l'époque. Oh, nouveau site! Qui a pas duré long feu. En plus, c'est ça le pire. Voilà, donc on va discuter dans là un petit peu le truc. Alors, quelle notion d'éclairage? Bon, on a le commerce, l'industriel et tertiaire, et puis l'extérieur. L'extérieur, c'est le principal. Alors là, après, ils expliquent le luxe, comment que ça fonctionne. Hein. Après, nous avons les températures Kelvin, et non Kevin. Hein. La température de couleur évaluée en Kelvin permet de caractériser la couleur apparente de la lumière émise par une source. Cette notion nous renseigne sur l'ambiance créée par un espace, permet ainsi de personnaliser les zones en fonction des activités et des produits. En 2500, voilà, puis... Voilà, donc chambre d'hôtel, restaurant... Franchement, c'est vraiment bien ce qu'il faisait. Franchement, il faisait des bonnes choses quand même, Mazda. Il faisait pas mal de petites choses intéressantes. Ça, c'est bien. Lampe incandescente, IRC 100. Voilà. Lampe fluorescente, IRC, lampe céramique, ouais. C'est vrai qu'en fait, c'est vrai que les lampes incandescentes en IRC, c'est vraiment constant. J'avais vu ça en fait, comment, ça en fait c'est une standard, mais là par contre en incandescente, ça pompe pas beaucoup d'UV, mais alors là par contre le rouge, alors ça y va. Mais non, franchement, j'ai jamais vu des systèmes comme ça, le truc, c'est impressionnant. Donc là après, ils expliquent un petit peu l'éclairage performant. Voilà. Donc là, ils expliquent l'incandescente, machin, sodium basse pression. 1800 K, ils ont quand même mis la sodium basse pression de 1800 K. L'IRC, ben non souscrit, ça c'est sûr. Sodium pression 25 en IRC, ah oui. L'incandescente 100 et l'halogène 100 en IRC, ça je ne savais pas, j'ai pas pour 100 watts installé. Bon, ça c'est normal. Oh, l'efficacité lumineuse, par contre, voilà. Ouais. Quand on voit l'efficacité lumineuse, c'est toujours la sodium basse. En fait, la sodium basse pression, c'est à peine importe, c'est vraiment une température médiocre. L'IRC médiocre, mais par contre, l'efficacité lumineuse entre 120 et 200 lumens par watt, c'est impressionnant. Et par exemple, 19 000 lumens pour 100 watts installés, c'est vraiment impressionnant quand même de se dire que ils ont fait à l'époque des trucs intéressants, mais bon, on s'en foutait un peu royalement. Un éclairage économique, donc voilà, donc ils expliquaient voilà, 300 milliards de lampes avec une lampe économique Eureka. Bon, pas spécialement économique, mais bon. Réduisez facilement vos coûts d'exploitation, changement d'éclairage. Donc, la solution basique et la version récente. Donc, là, pour expliquer un petit peu tous les styles de trucs. Donc, là, l'éclairage commerce, café, hôtel et restaurant. Donc, là, par exemple, on a la standard. Voilà, donc la standard incandescente, la R63 à Mustang. Voilà, donc c'est voilà. Donc, c'était vraiment avant et après. Donc, la Parvinte compagnie. Voilà, donc la IDE qui remplaçait l'incandescente. Déjà, ils en parlaient déjà à l'époque, déjà de. Le remplacer. Par exemple, là, le crayon halogène, on a passé en IPR sweat. Voilà, donc, il y a VIH. Non, c'est pas le VIH que vous pensez. VIH intégral. Voilà, donc TBT. Après, nous avons le Dichro classique avec le Dichro Gold. Alors, ça, c'est mon préféré, Dichro Gold.
En fait, le Dicrogold, c'est bien parce qu'en fait, c'est un homme dicroïque normal avec un tout petit tube à l'intérieur halogène. On dirait un tube à décharge HQI, c'est trop rigolo. Dicropro, la langue, c'est traditionnel. Les incandescentes à fluo compact. Alors là, par contre, c'est vraiment de la merde parce que à l'époque, ils s'en foutaient royalement. Voilà, donc, ah, c'est chienne, poupoule, nickel. Ouais, mais bon, ces merdes-là, ça n'a pas été vraiment fait clair. Bon, ça, les faits confort fait clair. Bon, c'était traditionnel électronique en fluo compact. Fluo compact à l'incandescente, bon là, bah, Eureka 3, Eureka 2, bon ça c'est. De toute façon, les fluo compacts, j'ai jamais accroché réellement ces machins-là. Yodium métallique, Apache, ah, bah, ça c'est sûr alors. Apache, c'est les premières générations de iodure céramique. C'est vrai que ces lampes-là, ils ont pas fait non plus ces machines-là. L'industrie tertiaire. Voilà, donc là, le tube blanc industrie à Prestiflux. Alors ouais, par contre, là c'est vrai que ça a changé. C'était plus blanc industrie. Tube entièrement recyclable. Non. 18% de lumière en plus, 50% de lumière en plus à 12 000 heures. Durée d'utilisation deux fois plus importante. Un très bon rendu de couleur, IRC85. Seulement 3 mg de mercure. Ouais, mec, c'est pas recyclable ça par contre. 30% de durée de vie, les plus avec blast électronique. Alors, il parlait déjà du blast électronique. Blanc industrie, pareil. TFP protection. C'était vraiment bien ça pour l'industrie. Tube blanc industrie encore, starter classique, starter électronique pour plus de sécurité et de confort. Ça coûtait un rein. Alors par contre, ah oh oui, je veux dire, ils mettent un starter Philips au lieu du Mata Mazda, c'est trop rigolo. Donc là, bah, il faut compact à broche, hein, bien sûr, traditionnel. Ah, la vapeur de mercure à MAIS2P, donc la version iodure métallique, justement, version ballon poudré. Ah, c'était vraiment c'était une épopée de ouf, ça, ces machins-là. L'éclairage extérieur avec, bien sûr, la sodium haute pression à Mach Antenna. Les versions un peu plus durées, parce qu'en fait, l'antenne intégrée, pour une fiabilité encore plus grande, réamorçage à chaud après quelques secondes, sans plomb, insensible aux vibrations. Ça, c'était vraiment bien, ça, c'est l'emploi. Ça a vraiment été un truc de taré. Donc là, le Mach Antenna avec la version sans mercure pour une meilleure fiabilité avec meilleure protection de l'environnement. Cercle vert et 0% de mercure. Ce serait d'actualité, ça existerait encore parce que ça, les lampes sodium, dans les sodium à pression, sans mercure, ça aurait été encore nickel actuellement. Parce que le sodium, c'est encore 100%, on va dire, c'est recyclable, tout ça, c'est un état naturel, mais en train de. Grosse quantité. Le problème, c'est que comme je vous ai expliqué le dernier coup, la LED, justement, la sodium, meurt d'elle-même. Donc, du coup, c'est vraiment merdique, en fait. Voilà. Donc, la version Mach Antenna, bon, après, voilà, c'est un peu plus de trucs. Une économie de 3,96 € par lampe. Ça, je ne sais vraiment pas. Voilà. Et ça, je paie 100 watts. Donc, après, nous avons la sodium haute pression avec la Apache STS-SE. Donc, là, bien sûr, pareil, les premières iodures. Hein. Rendu clair, hein. Lumière blanche dynamique, 3000K. La qualité de l'iodure céramique dans l'ampoule de zone existe en 70 watts, 100, 150 watts. C'est vrai, j'en ai jamais acheté ces lampes-là en plus. Vapeur de mercure max 70 watts pour plus de flux et plus de durée de vie. 60% de flux en plus, 12% économie d'énergie, durée de vie un peu, économie doublée. Max 110 watts. C'était les sodiums qu'on fait. Sodium haute pression. Émaillage 2. Ah oui, c'est vrai, c'est les toutes premières versions. Émaillage 2. Ah si, c'est émaillage 2, je crois que c'est les deuxième génération. Émaillage 2. Je sais plus c'était quand en fait, mon papier. Donc la lumière plus blanche, 3800K. Une lumière restitution des couleurs. Une utilisation position horizontale. Ouais, c'est vraiment une dinguerie. Puis après, alors, ils expliquent un petit peu toutes les styles de lampes qu'il y a. Franchement, comme je voyais, c'est impressionnant. Donc masdeclash.com, le site de la masse d'éclairage est ouvert. Connectez-vous. Oui, mais quelques années plus tard, ça n'existe plus. Dans 6 ans. 6 ans après, c'est foutu. Poupelle. Franchement, j'espère que le petit document vous a plu. Bien sûr, en téléchargement directement sur mon site. Mais ça fait plaisir là-dessus. Je vous garantis, c'est un réel bienfait, ce catalogue. Bon, je dis toujours catalogue, mais c'est une brochure relamping. J'aime bien parce que ça retrace vraiment le système, la mentalité de l'époque dans les années 2000. Ou qui parlait déjà des réductions de puissance. Ils se souciaient surtout de l'économie, d'énergie, tout ça. C'est vrai que il y a 20 ans, bientôt, hein, il y a 19 ans en arrière, vraiment, ils ont commencé à pas se soucier de l'énergie. On a vu que les lampes énergivores qu'ils ont remplacées en flux compact.
Bon, maintenant on sait que les flots compacts elles meurent d'elles-mêmes, donc du coup on s'en fout aussi. Mais ce qu'il fait, c'est que voilà, c'est une petite trace du début du changement de l'ère de la incandescente à la flot compacte. Puis la incandescente a disparu quelques années après. Et donc du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus, on sortit encore une première vidéo. Et comme de bien entendu, Mazda. Un fait pas faux.